Gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus à ce dernier cours, à ce dernier culte de l'année au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce jour pour vous, pour nous, pour chacun de nous, soit une période de bénédiction. Tout ce que nous avons demandé dès le commencement de l'année, je parle de vous. Que le Seigneur l'accorde à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Comme nous nous donnons au Seigneur entièrement, complètement, absolument, Dieu aussi va répandre l'abondance, la totalité de ses bénédictions sur tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes bonnes choses que vous avez faites pour sa gloire au cours de cette année qui s'écoule au nom de Jésus-Christ. Tout est enregistré au ciel. Le Seigneur va commencer à répandre sur vous, même ce jour, et demain, et l'année prochaine, au nom de Jésus-Christ, en faveur du Seigneur et en faveur de Jésus-Christ que vous avez servi. Je voudrais louer le Seigneur et vous remercier pour tout ce qui a été fait, d'avoir gardé le flambeau de l'évangile briller. Vous l'avez fait en privé, en public, vous l'avez fait à Dissiké, vous l'avez fait à la retraite et dans chaque localité, ici au ciel et partout, en faveur du Seigneur. Nous vous disons merci. Et le Seigneur ne vous oubliera jamais. Cette année a commencé par demain. Vous allez mettre le pied sur une nouvelle échelle, toujours en haut, en haut, en haut. Vous irez là-bas, votre femme, votre mari, vos enfants, votre famille, tout le monde. Et toute erreur que nous aurons faite, peut-être les erreurs au cours de la semaine, puisse le Seigneur nous pardonner au nom de Jésus-Christ. Nous commençons une nouvelle vie. Vos bénédictions ne vont pas vous rater, Père. Nous te remercions en ce temps-ci, nous te louons. Tu es le grand Dieu, le Dieu aimable, compatissant. Tu as béni ton peuple. Tu vas continuer de le bénir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que le passé, s'il y a quelque chose de négatif dans le passé, dans cette année qui s'écoule, efface cela, ôte tout cela et donne-nous une nouvelle vie, une nouvelle opportunité. Et comme nous venons dans la nouvelle année à commencer par demain, je prie que tu changes tout en meilleur dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Change la tristesse en joie, l'anxiété en allégresse. Transforme toutes choses négatives en positives dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends ton peuple joyeux dans le service du Seigneur. Confirme ta bénédiction sur toute vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, assoyez-vous. Nous sommes au Nombre. Nombre chapitre 6, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme, comprenez cela, un homme ou une femme, oui, certains croient que les Nazaréens s'adresse seulement aux hommes. Mais un homme, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréen, il se sépare pour consacrer à l'Éternel. Verset 8 dit,
pendant tout le temps de son naziréat. Il sera consacré à l'Éternel. Et le verset 12 dit, il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat. Verset 21 dit, telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat. Outre ce que lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son naziréat. Selon le vœu de son, selon la loi de son naziréat. Nous allons voir les naziréens aujourd'hui dans l'Ancien Testament. Nous allons aussi voir les naziréens dans le Nouveau Testament. Numéro 1, dans l'Ancien Testament, nous allons voir les naziréens. Dans le Nouveau Testament, nous allons voir les naziréens et nous allons voir les naziréens consacrés avec des possibilités nouvelles et nombreuses. C'est le titre. Numéro 1. Premier point, les naziréens déterminés, consacrés à Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous venons à la fin de l'année et à cette fin, jusqu'à cette fin, nous nous consacrons au Seigneur et avec détermination, nous nous consacrons comme des naziréens au Seigneur. Jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à la fin de notre vie, alors ce n'est pas quelque chose qu'on commence et puis qu'on ne soit pas en mesure d'arriver à la fin. Les naziréens déterminés consacrés à Dieu jusqu'à la fin. Deuxième point, les naziréens préférés, sanctifiés pour l'usage de Dieu, pour une fin, pour une raison. Deux, les naziréens préférés, sanctifiés pour l'usage de Dieu. Troisième point, les naziréens passionné, servant Dieu au-delà de cette fin. Au-delà d'aujourd'hui, aujourd'hui étant le 31 décembre, c'est une fin, la fin de l'année. Mais nous continuons de servir le Seigneur au-delà de ce dernier jour de cette année, au-delà de cette fin. Les naziréens passionnés, servant Dieu au-delà de cette fin. Et voilà le premier point qui est les naziréens déterminés, consacrés à Dieu jusqu'à la fin. Ils s'attachent au Seigneur, ils s'accrochent au Seigneur, ils vouent leur vie au Seigneur, ils se consacrent au Seigneur, corps, âme et esprit, jusqu'à la fin. Acte 11. Acte 11. 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester, tous les croyants, tous les saints, tous ceux qui se sont consacrés au Seigneur, et que tous, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, qui s'attache au Seigneur, qui se colle au Seigneur, sans se séparer du Seigneur le jour, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, chaque jour, bon jour, mauvais jour, en temps pluvieux, en temps de sécheresse, chaque saison de leur vie, ils s'attachent au Seigneur, ils se vouent au Seigneur, et comme le Seigneur lui aussi s'est donné pour nous, nous aussi nous nous donnons au Seigneur sans interruption. Sans nous lasser, sans nous fatiguer, parce que nous sommes des naziréens déterminés, consacrés à Dieu jusqu'à la fin. Nous allons voir trois sections ici. Nous allons voir un, la sensualité et la mondanité dans les naziréens naturels. Qui sont les naziréens naturels? Ils laissent leurs cheveux en friche et ne coupent pas leurs cheveux. Ils disent que ils sont des naziréens
ils vont avec la nature naturelle. Ils croient que être un Nazaréen dans le naturel, c'est ce que cela exige. Il n'y a pas de salut, pas de sanctification. Il n'y a pas d'engagement spécial. Ils sont des Nazaréens naturels. Ils ont la sensualité. Ils ont aussi la mondanité. Numéro 2, le caractère et la dignité des Nazaréens désignés. Alors si les gens sont désignés, nommés comme Nazaréens dans la Bible, que voici un Nazaréen, on voit ce qui les distingue. On voit ce qui fait d'eux des gens spéciaux. Et ce qui les rend distincts parmi les gens, le caractère et la dignité des Nazaréens désignés. 3. La conséquence d'égarement par les Nazaréens nonchalants. La conséquence d'égarement, il y a des Nazaréens, on découvre que quoi qu'ils soient appelés Nazaréens, ils sont les Nazaréens, ils sont nommés Nazaréens. Oui, mais ils sont nonchalants, ils s'en fichent, ils mènent une vie imprudente. La conséquence d'égarement par les Nazaréens nonchalants. Allons à la première partie ici, la sensualité et la mondanité dans les Nazaréens naturels. 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14. L'homme animal, 1 Corinthiens 2,14, qui dit que « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » De voir des gens dans les rues, des gens, on voit « Ah, ça, c'est de ces gens » qu'on a étudié le dimanche, que eux là ils ont laissé les cheveux en friche, ils ne se coupent pas les cheveux, que sont des Nazaréens. Et si tu fais partie d'une tribu, on dit que ah, ça c'est un Nazaréen, il ne se coupe pas les cheveux, mais sont des gens naturels, ils ne discernent pas l'appel de Dieu, la conversion au Seigneur ou une nouvelle vie dans le Seigneur. Alors, l'homme animal, le Nazaréen naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui les distingue? Comment les reconnaissez-vous? Que quoi qu'ils s'appellent Nazaréens, ils sont naturels. Numéro 1, c'est la sensualité. On va au Romains, chapitre 8. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Ou quel que soit le titre d'un Nazaréen, qu'une personne dévouée avant que vous ne soyez né, votre maman cherchait l'enfant pour un long temps. Et comme Anne, elle est allée prier le Seigneur, « Seigneur, donne-moi un fils, donne-moi un garçon. Si tu me donnes un garçon, je vais le consacrer à toi. » Le Seigneur l'a exaucé. Et ce n'est pas votre prière, ce n'est pas votre vœu. Et finalement, vous êtes né. Et votre mère vous a dit que « Avant que je ne te conçoive, j'ai dû prier et je t'avais consacré au Seigneur. » Donc, tu es pour le Seigneur. Et le jeune homme a dit que ça, c'est maman. Hein? Ça, c'est sa vie à mener. J'ai ma vie à mener. Donc, elle m'a consacré à Dieu. Moi, je n'accepte pas ça. Hein? Et cette personne, quoique sa maman l'ait élevée comme un Nazaréen, c'est naturel, il n'est pas né de nouveau, il ne s'est pas donné au Seigneur et il est naturel. Et c'est dit que l'affection de la chair, c'est la mort spirituelle, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Cela hait Dieu. La chair, ça hait l'évangile, les doctrines de la Bible, le style de vie du croyant, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Les parents, le force, tu es consacré à Dieu, tu dois servir Dieu,
Tu sais qu'avant que tu sois né, on n'a pas mis ceci et cela là-bas. Et tu es allé mettre tu es allé percer là où les parents n'ont pas mis ceci pour utiliser les bijoux, ceci et cela. Parce qu'elle est un Nazirien naturel qui ne sait pas donner à Dieu. Car l'affection de la chair est initiée contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Être Nazirien, si on n'est pas né de nouveau, c'est un Nazirien naturel. Un Nazirien charnel. Et votre vie va montrer que vous ne vous êtes pas donné au Seigneur. Allons à Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Naturel, celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui s'habille comme le monde, qui se présente comme le monde, qui boit comme le monde, qui fume comme le monde, qui fait les choses que les gens du monde font. Pourquoi? Je crois que sa mère l'est amenée dans cette église et dans d'autres églises, mais il a choisi sa voie qui est la voie du monde et dit que je suis Nazirien. Quand on parle de la vie profonde, il dit que non, que je peux chanter pour vous que Jésus seul est notre message. Il peut chanter tout, il peut chanter ce cantique sans regarder le livre. Dit, comment tu sais cela? Il dit que je suis né là-bas, tu es venu là-bas et après que tu es parvenu à l'âge adulte, je connais ceci et cela. Si tu dis quelque chose de la Bible, la repentance, la restitution, il dit que je peux t'ouvrir cela, je peux te citer la parole. Mais sa vie est mondaine, sa vie est du monde. Et cette personne ne se rappelle pas que quiconque, un adultère spirituellement, un adultère spirituel, c'est-à-dire que ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut un Nazirien naturel, celui donc qui veut, je suis né là-bas, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pourrez-vous rappeler la même mère qui a donné naissance à Jésus, la Vierge Marie, après que Jésus était né, il y a aussi quatre autres frères et sœurs. Et les gens disaient, mais n'est-ce pas ces frères ici avec nous, nés de la même mère, ces sœurs ne sont-elles pas avec nous aussi, nés de la même mère que Jésus? Cependant, ses frères ne croyaient pas en lui. Ce n'est pas ce que votre maman dit, ce que votre maman a consacré, mais vous devez vous donner au Seigneur. Ce serait quelque chose d'un grand honneur, d'un grand prix pour Joseph, pour Jacques, pour dire que de qui parlez-vous? Nous sommes nés de la même mère. Sa mère Marie est ma mère, la même Marie, le même Joseph, nos parents. Mais il n'était pas né de nouveau à l'époque où Jésus était vivant. C'est pourquoi nous ne devons pas briser notre vie ou bien nous enorgueillir que je ne peux pas ceci et cela. Ce n'est pas le salut. Oui, le Nazirien naturel sera charnel, sera mondain. Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Allons à la deuxième session. Ici, nous allons voir le caractère et la dignité des Naziréens désignés. Et nous allons voir 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante,
Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est la mère de Samuel. Il dit, mais si tu me donnes un garçon, tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi, je le mettrai à part pour toi, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est le vœu du Naziréa. Donc, Anna a dédié, consacré l'enfant au Seigneur. Voilà le verset 27. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Verset 28. 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. La mère a consacré Samuel en tant qu'enfant, avant même la conception, avant même l'accouchement. Il a été consacré en tant que Nazaréen. Oui, les fils d'Eli étaient là, ils faisaient des choses terribles, des choses iniques. Mais Samuel s'était distingué. Converti, né de nouveau, le Seigneur commençait à paraître à Samuel. Samuel, il est allé à Eli, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas allé, va te coucher. Samuel, il est encore allé à Eli. Samuel, il est encore allé à Samuel, à Eli du moins. Si tu entends encore la parole, il n'a jamais expérimenté des choses spirituelles. Il n'a jamais entendu son nom appelé comme ça. Il croyait que c'est Eli qui l'appelait. Si tu entends encore la voix là, il faut dire, me voici, ton serviteur t'écoute. Et lorsque la voix vient encore, il a dit, me voici, je suis ton serviteur t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Il s'est distingué. Le Seigneur, la part de Dieu a dit que le Seigneur n'a pas permis à sa parole de tomber à terre. Alors il est devenu prophète dans le pays. Et dirigeait le pays et leur montrait la voie du Seigneur. Et Samuel a dit aux gens, lorsqu'il a vieilli, qu'il ne va pas cesser de prier pour eux. Il a continué en tant que prophète, enseignant et dirigeant, en tant que juge même du peuple. Alors, c'était un véritable Nazaréen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit de lui? Psaume 81. 9. Psaume 89, verset 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi eux qui invoquaient son nom, invoquaient l'Éternel et les exaucés. Ouais. Le Seigneur a identifié Samuel à Moïse et à Aaron. Oui, les grands dirigeants en Israël qui les a fait sortir du pays d'Égypte et les a fait passer par le désert. Oui, les grands hommes de Dieu, Moïse et Samuel, est associé à Moïse et à Aaron. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi et ceux qui invoquaient son nom. C'était un véritable Nazaréen, c'était un Nazaréen transformé, c'était un homme qui s'est donné, qui s'est soumis au Seigneur et sa vie, son caractère vont de pair à l'appel qui a été lancé à un Nazaréen. Et voyons Jérémie 15 verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, voici cela, Dieu lui-même l'a associé, l'a identifié ce Nazaréen Samuel à Moïse. Et dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple. Il a dit, chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Pensez à vous. Est-ce que vous êtes sauvés?
si vous êtes sauvé, donc vous êtes converti. Si vous êtes converti, vous êtes converti au Seigneur et vous vous donnez au Seigneur. Est-ce que vous êtes totalement donné au Seigneur? Est-ce que vous êtes tellement converti au Seigneur, totalement consacré au Seigneur, que Dieu lui-même vous identifie? Des gens comme Moïse, comme Aaron, des gens comme Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, des gens qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, des gens qui n'ont rien abandonné sans le consacrer au Seigneur. Tu dis que je suis chrétien, je suis nazéréen, je suis chrétien, je crois la Bible. Montre cela par la vie que tu mènes. Montre cela par la conversion véritable dans ta vie. Montre cela par ton caractère, par ta conduite. Montre cela par ta dignité dans le Seigneur. Nous allons à la troisième partie ici. Je vais voir la conséquence d'égarement par les Nazaréens nonchalants. Nous allons à Lamentations chapitre 4. Ce que doit être un Nazaréen, comment un Nazaréen doit se comporter, comment un Nazaréen doit être pur. Et un Nazaréen est plus pur. Et Lamentations 4, 7. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail, leur figure était comme le saphir. C'est la tente du Seigneur. Vous êtes appelé Nazaréen. Alors, vous devez être lavé. Vous devez être éclatant, plus éclatant que la neige. Parce que tous les Israélites doivent être plus éclatants que la neige. Mais un Nazaréen qui s'est consacré au Seigneur doit être plus blanc, plus éclatant que la neige, plus blanc que la neige. Donc, si tu dis que je suis chrétien, je suis croyant, au fait, tu dois être plus blanc que la neige, plus pur, tu dois être plus pur, tu dois être plus pur. Tu dis que je suis consacré au Seigneur, que j'ai choisi mon église d'être la vie profonde. Tu dis que je suis plus élevé que ceux qui sont superficiels dans le monde. Si cela est vrai, numéro 1, tu dois cesser de te comparer aux personnes superficielles, aux personnes flottantes, nées de nouveau dans le monde. Et tu ne peux pas voir une différence entre eux et le monde. Maintenant, tu dis que je ne suis pas un simple chrétien, un chrétien charnel, un chrétien superficiel, que j'ai décidé d'être à la vie profonde. Qu'est-ce que tu appelles la vie profonde? Ce n'est pas le bâtiment qui est la vie profonde. Ce sont les gens au-dedans de ce bâtiment. C'est l'assemblée des gens appelés. C'est l'église, la vraie église. Sauvée, sanctifiée, purifiée. Et tu dis que je me donne au Seigneur de façon spéciale. Bienvenue, bienvenue. Mais il faut comprendre que le Nazaréen doit être plus éclatant que la neige, il doit être plus blanc que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. On peut voir leur habillement, leur corps, leur apparence. On peut voir leur éclat, leur aspect, comment ils apparaissent. Et tu dis que véritablement, ils sont différents. Si tu vois un Nazaréen en Israël, seulement le voir, oui, pas seulement le cœur, oui, le cœur aussi. Pas seulement la pensée aussi, pas seulement l'homme intérieur, oui, l'homme intérieur aussi, mais vous allez voir du dehors que celui-ci est un véritable Nazaréen, même avant qu'il n'ouvre sa bouche, avant qu'il ne se présente à vous. Par son aspect, vous saurez que voici un Nazaréen. La même chose, si tu dis que je suis croyant à la vie profonde, je suis croyant, un croyant qui croit à la Bible. La Bible vit au-dedans de moi et tu vis dans la Bible même intérieurement. Avant que tu n'ouvres la bouche, on doit savoir que cet homme est différent, cette femme est différente. Oui, ils volent, l'autre la vole, lui ne vole pas. Les gens font des choses terribles dans le monde. Lui ne fait pas cela parce qu'il est un homme spécial, une femme spéciale, consacré au Seigneur. Voyons Juges 13. Juges 13. Juges 13.
verset 5. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, pas à la famille, consacré à Dieu, pas à la nation, mais consacré à Dieu. Voici un ange qui est apparu à la mère de Samson avant qu'il ne soit né, et l'ange en Dieu que celui-ci là que tu vas enfanter sera un Nazareth à Dieu depuis, et il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et lorsqu'il était né, et comprenez que vous n'allez pas couper ses cheveux parce qu'il est un Nazaréen, ce n'est pas la fin de la vie d'un Nazaréen. Oui, l'apparence n'est pas la fin de la profession d'un Nazaréen, que les cheveux longs ne sont pas les seules choses. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Si tu dis que tu es membre de la vie profonde, que tu crois, tu es un chrétien qui croit la Bible, que tout ce que tu portes, c'est l'expression extérieure. Regardez mon habillement, que jamais, je ne sors pas sans mon voile. Je loue le Seigneur pour toi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour un Nazaréen, pour un croyant qui croit la Bible, Christ doit vivre au-dedans de toi. Et l'objectif de Christ de venir dans ce monde doit se refléter dans votre vie. Et tous les Philistins autour de toi, et tous les Philistins au-dedans de toi, il faut les vaincre d'abord. C'est cette victoire sur les Philistins en toi, le monde en toi, la société en toi, le mensonge du monde en toi, les Philistins en toi qui sont contre la vie du croyant, il faut les vaincre d'abord. Et les Philistins autour de toi, autour de ta famille, les gens que tu aimes, les gens qui sont tes proches, les Philistins qui veulent te détourner du Seigneur pour te tourner vers la modernité, la sensualité, tu dois les vaincre. Tu deviens enfant de Dieu, un gagneur d'âme. Tu sors, tu portes toutes les armes de Dieu et tu vins pour le Seigneur. C'est ça qui est l'objectif. C'est ça qui est la fin. C'est ce que tu deviens un Nazaréen, un membre de l'église appelée la vie profonde. Voyons le verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu, c'est un ange, est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Verset 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. N'est-ce pas? Ce qui révèle que quoique sa mère et son père Manoah ne soient pas Nazaréens, mais une maman qui doit naître, qui doit mettre au monde un Nazaréen, et la vie de la maman aussi, parce que celle qui doit enfanter un Nazaréen ne doit pas boire de liqueur enivrante, ne doit pas être comme les autres femmes en Israël qui boivent ceci, cela. Que c'est une grande leçon pour nous. Numéro 1, les mamans, lorsqu'elles conçoivent, doivent comprendre que leur style de vie, leur habitude,
affecteront l'enfant au-dedans. Les scientifiques vont vous dire qu'une femme enceinte qui boit de l'alcool et qui fume, cela va affecter le fœtus. Et parfois, lorsque vous allez prendre les compléments supplémentaires ou bien un médicament, alors c'est écrit, vous devez lire la notice. Que on dit que ce n'est pas bon pour les femmes allaitantes. Tu veux pas dire que oui, ne suis pas libre de prendre cela. Mais si vous avez un enfant à naître, que l'enfant soit bien portant, vous ne devez pas faire ceci. Si la science médicale dit aux mamans que tu ne peux pas boire, une femme une femme enceinte, tu ne peux pas boire si faire ceci. Et si tu as si tu es maintenant enfant de Dieu, une maman qui t'énerve, tu te bats avec ton mari et tu es enceinte et tu fais des choses avec un mauvais caractère pendant que tu es enceinte, cela va affecter l'enfant là qui n'est le fœtus là. Cela veut dire que les mamans et les parents du Nazaréen doivent mener une vie spéciale. Maintenant, le pasteur, le dirigeant qui produit ces Nazaréens, que mon frère là doit être un Nazaréen consacré à Dieu et la sœur là une Nazaréenne consacrée à Dieu, et alors c'est la mère, si la mère de Samson doit avoir une diète, une alimentation stricte, formelle, de ne pas manger ceci cela, et le pasteur qui forme, qui suscite des Nazaréens, et le dirigeant qui suscite des Nazaréens, notre vie doit être différente. Ce n'est pas seulement commander les membres de l'église et ordonner les membres de l'église. Le pasteur aussi. Le pasteur de groupe, les dirigeants pasteurs nationaux, d'État. Notre vie doit refléter le fait que nous soyons appelés pour susciter des Nazaréens dans l'église. Nos choristes, si vous devez inspirer l'assemblée, si vous devez susciter des gens, une assemblée consacrée, la vie des choristes doit aussi être sans reproche. Le salut, la sanctification, la consécration, l'engagement doit se refléter dans la vie. C'est pas seulement la musique, chanter la mélodie et puis aider l'église à rester en ligne. Même les choristes doivent être comme le prédicateur à cause de l'œuvre d'inspiration qu'ils font. Vous rappelez bien, Samson est Juges 16, je lis le verset 17. Juges 16:17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. Aha, une nouvelle théorie. Il connaissait la théorie. Ma maman me l'avait dit. Un ange est apparu à ma mère et j'étais né Nazaréen parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Qu'est-ce que tu faisais donc dans le camp des ennemis? Pourquoi tu as une concubine parmi les ennemis de Dieu, parmi les mondains, parmi les incroyants? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Delila? Si tu savais que tu étais consacré à Dieu en tant que Nazaréen, mais que fais-tu donc là-bas? Parfois, on retrouve des gens qui ne vont pas à certains de ces lieux pour évangéliser, mais ils vont là-bas pour voir. Et ils surfent l'Internet, ils vont voir. Je veux voir comment ces gens-là se comportent. Tu te connais que tu ne fais pas ça pour évangéliser, pour connaître leur vie, afin que toi aussi tu peux les gagner. Mais tu fais cela parce que tu es de la chair. Quoi qu'au dehors, ouais, tu puisses montrer que tu es Nazaréen, tu montres à l'extérieur que tu appartiens à Dieu. Mais au-dedans, il y a quelque chose en toi qui veut attirer le monde. Il y a quelque chose en toi qui dit que je rate quelque chose dans le monde.
C'est pourquoi, c'est dit que parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma chair, de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Il savait, au moins il savait ça, que le symbole du Nazaréat, si c'est ôté, je serais faible. La force, l'onction d'un Nazaréen quitterait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Vous connaissez bien l'histoire. Il a tout perdu. Un Nazaréen nonchalant. Il était imprudent. Il était un homme qui se laisse aller. Quoi que les cheveux soient là. Même elle a même montré à la femme mondaine. Elle a même montré à la femme concubine, la concubine mondaine. La personne qui a payé sa vie. Ce qu'il ne va pas dire à son pasteur, il est allé dire ça à Delilah. Que je vous dise, ce que tu ne vas pas dire à ta femme à la maison. Il y a une femme dehors là-bas. À qui tu dis ça? Ce que tu ne veux pas dire à ton mari, est-ce que tu es si familière avec un homme que tu es si libre que tu parles à ta femme, tu parles à ton mari, tu n'es pas libre et tu mesures tes mots et tu es réticente. Mon mari, oui, mais mon mari ne va pas tout savoir. Mais te voilà, les gens au dehors là-bas, les délits au dehors là-bas, les partenaires de péché là-bas. Les proches pécheurs dehors là-bas, tu vomis tout ce que tu ne vas même pas dire aux gens à la maison. Et dit que je deviendrai faible, bien sûr, et serai comme tout autre homme. Voyons le verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Mon ami, mais si tu dis à ta femme tout ton cœur, il n'y a pas de danger là-bas. Si tu dis à ton mari tout ton cœur, mais il n'y a pas de danger. Mais si tu dis à celui de dehors, si tu dis à Delilah, si tu dis à un intime mondain au dehors là-bas, tu serais en voie d'être perdu. Et Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Vous savez, vous connaissez, les amis du monde ne sont pas amicaux pour rien. Ils ont un but. Ils ont des choses qu'ils cherchent. Ils veulent à votre vie. Ils veulent nuire à votre vie. Ils veulent que vous blessiez Dieu. Que vous perdiez la spécialité, la signification d'être un Nazaréen à Dieu. Et ces gens du monde peuvent prétendre qu'une personne comme Samson ne va pas reconnaître que ceci est pour sa mort. Que ceci, c'est dangereux. Vous savez, il y a des gens qui se laissent aller. Ils rencontrent Delilah, ils laissent aller, ils se laissent aller. Ils rencontrent cette femme du monde-là, ils se laissent aller. Elle rencontre l'homme-là du monde, elle se laisse aller. C'est comme Samson qui se laisse aller. Et Delilah dit, maintenant je sais. Que, parce qu'il est imprudent, il est nonchalant, un Nazaréen qui m'a ouvert tout son cœur. Alors les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Samson, le Nazaréen, s'est vendu. Il s'est vendu à une détruction totale. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Maintenant, je vais vous poser une question. Seulement les hommes qui sont ici, même les femmes,
Est-ce que tu peux si dormir? Est-ce que tu peux dormir si profondément qu'on coupe tes cheveux? Qu'on coupe tes os, on te rase les cheveux sans te réveiller? Ah! C'est ce que la rétrogradation fait. C'est comme tu as été hypnotisé. Et dès que Delilah sait que tu lui as donné ta vie, tu as ôté ta vie de Dieu et tu lui as soumis ta vie. Quoi que l'homme là, quoi qu'on lui rasa les cheveux, l'homme là, on l'a coupé les tresses, l'homme ne s'est pas réveillé. Mais il était intimement collé à Delilah. Et quoi, lorsque son pouvoir, tout était ôté de lui, l'homme était toujours dormi, était endormi. Tu étais endormi, ta vie, ton talent, ta spécialité, ton appel, et les choses avec lesquelles tu étais né, l'appel de Dieu sur ta vie était ôté. Et tu es toujours endormi. Tu n'en es pas conscient. Et finalement, il s'est dit, et elle commençait ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il se réveilla au mauvais moment. Il devait se réveiller avant ce temps-ci. Nazirien, la vie profonde. Un croyant spécial, un croyant exalté, un croyant qui croit à la Bible. Maintenant, tu es si endormi que tu t'es vendu. Que je suis un Nazirien, je suis de la vie profonde. Je porte le foulard, je ne porte pas de... Barbe, je suis un berbe, je suis ceci, je suis cela. Et, oui, c'est ainsi que, oui, je m'habille et je suis comme le pasteur. Et, si je dis que je suis fils du pasteur, oui, ce n'est pas ce que nous disons ce matin. Nous parlons de la vie que tu mènes. L'engagement, la consécration que tu as jusqu'à ce que Delilah te réveille. Pourquoi ne t'es-tu pas réveillé avant ce temps-là? Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Jérémie, chapitre 2, 3. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Verset 5. 5 dit, ainsi parlait l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Allons au deuxième point. Nous allons voir les Naziréens préférés sanctifiés pour l'usage de Dieu. Sanctifiés pour l'usage de Dieu. Pour une fin. Purifiés pour l'usage de Dieu. Mis à part. Pour l'usage de Dieu. Voyons Psaume 4. Psaume chapitre 4. Psaume 4, verset 5. Verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Un homme sanctifié. Un homme purifié. L'Éternel entend quand je crie à lui. Verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche.
Pensez à votre appel en tant que Nazaréen dans votre lit. Pensez à tout ce que tu as traversé au cours de la journée. Tu es maintenant dans le lit. Est-ce que j'ai mené la vie d'un Nazaréen? Est-ce que je me suis comporté comme un Nazaréen? Est-ce que je me suis donné consciencieusement de tout mon cœur au Seigneur comme un Nazaréen? Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Nous allons voir trois sections ici. Première partie, nous allons voir les Nazaréens sauvés, mis à part pour Dieu. Mis à part, les Nazaréens sauvés, mis à part pour Dieu. Deux, les Nazaréens sanctifiés, séparés de l'impiété. Trois, les Nazaréens scripturaires s'élevant vers son but. Première partie, les Nazaréens sauvés, mis à part pour Dieu. Nous allons voir 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence ou à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ces Israélites, quand ils voient un Nazaréen, ils ne regardent que sa tête, ils ne considèrent pas d'autre chose. Et que ça, c'est un Nazaréen. Il ne peut pas dire ce qui est dans son cœur. Mais Dieu dit que je ne regarde pas seulement à l'aspect physique, mais je regarde aussi le cœur. Il regarde notre cœur, la jalousie dans le cœur, l'envie dans le cœur, et les détours et la sagesse Chanel dans le cœur, la modalité dans le cœur. Alors Dieu regarde toutes les manœuvres faites dans le cœur. Dieu dit qu'il ne regarde pas seulement l'apparence. C'est bon de bien s'habiller avec décence. C'est bien d'être modeste, de bien paraître comme une personne honorable, une bonne femme, selon une femme qui croit la Bible. Regardez les choses dans la parole de Dieu. L'aspect extérieur, oui, c'est bon. Mais plus que l'extérieur et les cheveux d'un Nazaréen, Dieu regarde le cœur. Voyons, Jean 3:3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, en vérité, je te le dis, si un Nazaréen ne naît de nouveau, tu peux porter une touffe, une friche de cheveux sur ta tête. C'est un Nazaréen, un homme religieux, c'est un homme de la vie profonde, c'est une femme de la vie profonde, c'est un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5 dit, Jésus répondit, c'est un homme ne naît d'eau, et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme, un Nazaréen, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez, vous comprenez pourquoi Jésus dit que ce que vous avez sur la tête ne suffit pas pour vous faire entrer dans le royaume. Ce que vous avez sur la tête ne suffit pas pour vous amener au ciel, pour vous amener au royaume de Dieu. Ce que vous avez sur le corps ne suffit pas. Nous ne sommes pas sauvés par un bon habillement. Un bon habillement est bon. On ne peut pas sortir et être nu. On va croire qu'on a une déficience mentale. Mais nous devons avoir une bonne apparence. Mais l'habillement ne vous amène pas au ciel. Être né de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau. Si une femme ne naît de nouveau. Si un membre d'une église... Si un membre d'une église ne naît authentiquement né de nouveau, ne naît authentiquement,
selon l'esprit ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Être nazirien, c'est bon, mais tu dois naître de nouveau. Je m'habille bien. Oui, très bon. Mais s'habiller bien, ou ça, être un homme qui s'habille bien, une femme qui s'habille bien, mais tu dois naître de nouveau. Si un homme, une femme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Luc 13. Luc chapitre 13. Luc 13, verset 3. Voici les paroles de Jésus-Christ. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 5. Verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voyons. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as pas abandonné ton habillement. Chaque fois, je suis toujours dans... Je garde, je couvre ma tête. Chaque fois, je me rase bien, je fais ceci. Je me présente très propre au dehors. Tu n'as pas abandonné cela. Cela est là. Mais il y a quelque chose de plus que l'expression intérieure d'un Nazirien. Tu as abandonné ton premier amour, aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton esprit, et vivre totalement pour Dieu, se consacrer totalement à Dieu. Ton cœur s'est éloigné du Seigneur, ton cœur s'est égaré de l'enseignement de la parole de Dieu, que tu amènes ton don à l'autel, tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Pas que tu as quelque chose contre la personne, mais que la personne a quelque chose contre toi. Le talent est bon. Le don est bon. Ouais, se montrer. L'activité est bonne. Mais lorsque tu amènes l'autel, tu amènes ce don à l'autel et tu te rappelles, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Tu souris, bonjour, bonsoir, et tu parais très bon. Cela ne suffit pas. Laisse ton don là-bas sur l'autel et retourne. Va vers la personne que tu as blessée. Peut-être la personne a tort. Peut-être la personne ne t'a pas bien compris. Peut-être la personne est la personne qui te fait mal. Mais il y a quelque chose contre toi. Va vers eux et va te réconcilier avec eux. Lorsque tu te réconcilies, pas que je me réconcilie afin que je puisse aller faire mon travail. Je me réconcilie pour que je puisse démontrer mon don. Je ne veux pas que quelque chose dérange mon appel. Non, ce n'est pas l'appel, c'est la consécration. Ça, c'est le fait d'aller au ciel seul par consécration. C'est l'obéissance au Seigneur. Laisse ton don là sur l'autel. Et ne faut pas utiliser toutes ces méthodes que quelqu'un peut utiliser pour parler à tout le monde. Je vais bien, je suis pur comme la pureté, je suis saint comme la sainteté. Tu sais que ce n'est pas vrai. Et la parole de Christ que tu dois prendre, que tu as pris au sérieux, au commencement, tu l'as abandonné. Le verset 5 dit, souviens-toi donc, si tu as oublié, souviens-toi donc. Si tu oublies, souviens-toi donc que ce qui est important à Dieu, ce n'est pas la tête, ce ne sont pas les cheveux d'un Nazirien, mais le cœur d'un Nazirien. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que il y a des gens qui croient que si le salut n'a pas la sécurité éternelle attachée à ça, attachée à leur service, que le service même a la sécurité éternelle, et ils peuvent maltraiter leur femme à la maison, ils peuvent enfermer leur femme à la maison,
ils peuvent être cruels à leur femme à la maison. Et le talent est là, ils vont abandonner la femme à la maison, appeler la femme d'un nom abusif, d'un nom moqueur, décourager la femme au-dedans. Et puis, vous voyez que si tu n'es pas prêt pour rentrer dans la voiture, moi je m'en vais. Ils vont venir démontrer le talent d'un Nazirien. Non, il ne faut pas être comme ça. Jésus a dit, il n'y a pas de sécurité éternelle dans le service. Il n'y a pas de sécurité éternelle dans le salut. Fais la première œuvre, repens-toi, que ton cœur soit totalement donné au Seigneur. Sinon, je viendrai ôter le chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Voyons la deuxième partie. Si nous allons voir les Naziréens sanctifiés, séparés de l'impiété. Les Naziréens sanctifiés, voyez, ce qui importe, ce qui compte, ce n'est pas seulement les cheveux. Ça, c'est le symbole, c'est l'expression de notre séparation. Mais la séparation réelle, c'est au-dedans. Que nous ayons la sanctification, que nous ayons la circoncision du cœur. Romains 2, verset 20. Il n'est pas juif, celui qui... Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en est les dehors. Il n'est pas nazirien, il n'est pas de la vie profonde. Ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le verset 29. Mais le juif... c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Lévitique 20, verset 7. Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. C'est pour les Israélites et les Naziréens. Au pas que je suis Nazirien, que les cheveux que j'ai sur la tête suffisent. Les Naziréens et les Israélites. Lévitique 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. À part la sanctification et la mise à part que vous faites vous-même, à part la consécration que vous faites vous-même, Dieu lui-même a dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le verset 26. Vous serez saints pour moi, c'est ce que le Seigneur a dit. Un Nazirien ne peut pas s'excuser. Je vais bien, je ne coupe pas mes cheveux, je suis Nazirien et mes cheveux me mettent à part pour Dieu. Non, cela ne suffit pas. Le Seigneur dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. La séparation que vous faites vous-même, parfois, cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est partiel. Vous vous séparez de ceci. Je crois que je peux me séparer d'elle parce que elle ne bénit pas ma vie. Toutes les fois que je la vois, je crois que je peux me séparer de cet homme parce que l'homme-là ne m'encourage pas. Cette séparation ne suffit pas. Dieu lui-même. Alors, sépare Israël et sépare les Nazaréens. Des gens qui ne vont pas apporter gloire au Seigneur. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Tite 2,
verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Qui s'est donné lui-même pour nous. Maintenant, il ne s'est pas donné lui-même pour que nous soyons des Nazaréens extérieurs. Je ne vais plus au salon de coiffure. Pourquoi? Parce que Jésus s'est donné lui-même pour moi, pour que je n'aille pas au salon de coiffure. Ça, ce n'est pas vrai. Ouais. On peut mettre la chose là sur la tête sans la grâce, sans le salut, sans la sanctification. Mais lorsque lui-même nous transforme au-dedans, il transforme notre vie. Il nous donne une expérience qui est la sanctification. Nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés. Maintenant, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà la troisième partie ici. Les Nazaréens scripturaires. Les Nazaréens scripturaires. Ouais, Samson et fut un Nazaréen. Je ne crois pas qu'il lisait la Bible. Il était un Nazaréen. Je ne crois pas s'il ouvre les pages de la Bible. Bah, que cette, la loi de l'Éternel ne doit pas s'éloigner de ta bouche, mais que tu la médites jour et nuit. Samson n'a pas le temps. Il passait son temps avec Delila, avec le monde. Il passait son temps avec ces filles-là qui ont eu son orientation. Quand il a la Bible, il donne ça à Delila. Mais si tu vas être un véritable Nazaréen, un Nazaréen scripturaire, selon les Écritures, tu lis la Bible, tu crois à la Bible, tu médites la Bible, tu appliques la Bible à ta vie. Ce sont les véritables Nazaréens, mais les soi-disant Nazaréens qui rebutent contre la part de Dieu, qui rejettent la part de Dieu, ils n'ont pas le temps, ils courent par-ci, par-là, ils vont là, ils vont aussi, ils n'ont pas le temps pour la part de Dieu. Quel type de Nazaréen, quel type, quel genre de la vie profonde toi tu es? Les Nazaréens scripturaires s'élevant vers son but. S'élevant vers son but. Un tel homme, l'apôtre Paul, voyons Philippiens. Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Vous voyez? Vous devez avoir la priorité dans votre vie. Je fais une chose. Il vous faut avoir une dévotion dans la vie que rien ne peut ôter. Vous devez avoir l'engagement, la consécration dans votre vie que Delila ne peut toucher. Non, quoi? Delila ne doit même pas connaître la voie à votre maison. Il ne doit même pas connaître, vous n'allez pas connaître le chemin à la maison de Delila, vous n'allez pas connaître le numéro de Delila, vous ne connaissez pas l'adresse, son adresse, et vous dites, je fais une chose, si tu es, il y a eu Delila dans ton bureau, qui veut ton attention, il ne veut pas nous donner son attention, la vie profonde, l'homme là, il porte la vie profonde au-delà de ce qu'on lui dit, je connais la vie profonde, un autre Nazaréen quelque part, lui n'est pas séparé, ouais, lui il accommode tout le monde, lui il est un compromettant, un Nazaréen compromettant, lui il est avec, il accepte tout le monde, même toi là-bas, tu fortifies ton engagement que Delila ne va pas prendre mon attention. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. 14 dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but, je cours vers le rôle pour cette seule poursuite que j'ai. Et Marc 10, 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima
et lui dit, « Il te manque une chose. Pensez à votre vie. » Jésus vous dit-il que cela c'est bon, cela est bon, mais cette chose-là, tu manques une chose. Ta vie de prière, il te parle, il dit que tu manques une seule chose. Ton premier amour, en aimant Dieu, au-delà de tout ami, tu aimes Dieu plus que tout ami dans l'église, tu aimes Dieu plus que toute autre opportunité dans l'église, tu aimes Dieu plus que toute autre activité, mais si l'activité est au-delà de Dieu, si l'activité est au-dessus de Dieu, tu manques une autre chose. Ouais. Cet homme donne son cœur à l'argent. Dans le cas de plusieurs personnes, ils donnent leur vie à l'activité. Tu manques une chose. Est-ce que tu poursuis tout? Est-ce que tu mets ta vie sur cette seule chose? Deuxième Pierre 3, le verset 8. Deuxième Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Alors, mais les doctrines de la repentance, vous ne devez pas l'ignorer. Cette seule chose. Peut-être c'est la doctrine de la restitution. Alors, vous ne devez pas l'ignorer. Peut-être la façon dont vous parlez et vous oubliez que toute parole oisive que l'homme profère, qu'il en rendra compte au jour du jugement. Mais tu seras justifié par ta parole ou tu seras condamné par tes paroles. Alors, mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Peut-être, c'est son intimité avec le sexe opposé, un homme qui est proche d'une femme, une femme très proche d'un homme. Alors, vous ne devez pas ignorer cette chose. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas commis. Tu n'as pas commis quoi? Si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis l'immoralité, l'adultère avec elle dans son cœur. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que si vous gardez, obéissez toute la loi et que vous violer, transgresser une, vous avez violé toute la loi. Ne soyez pas, vous ne devez pas ignorer ceci. Les Nazaréens, scripturaires, vont vers le but spirituel, vers le but du Seigneur. Le verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pierre, tu voudrais dire que, je dis que moi-même d'abord, il a renié le Seigneur. Il est venu se repentir, que je vais à la pêche, je vais pêcher. Le Seigneur s'est montré à lui. Pierre, Simon, m'aimes-tu plus que ceci, presque en larmes. Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es revenu à tes filets? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Et ouais, la première jour, le premier jour, la première semaine qu'il s'est montré à ces gens, le Seigneur a dit, Pierre, on lui a parlé de quelque chose. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Considère cela. Comme on vient à la fin de l'année, tu te poses la question. Quelles sont les choses qui sont arrivées dans ma vie? Quelles sont les choses qui sont arrivées
qui sont venus dans ma vie. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si tu as abandonné ton premier amour, tu viens à l'église, tu n'es pas né de nouveau, tu dis que tu es de la vie profonde, c'est ton église, mais ta vie n'a pas changé, ton cœur n'a pas changé, ton comportement est intact, tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur veut que tu te repentes, il ne veut pas que tu périsses. Il veut que tout le monde vienne à la repentance. On va à la troisième partie. Alors on va au troisième point maintenant. Les Naziréens passionnés, servant Dieu au-delà de cette fin. Les Naziréens sont au bas niveau. Voyons, Matthieu 2, 23. Matthieu 2, 23. Matthieu 2, 23. Matthieu 2, 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Acte 24, verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui existe des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Le chef d'une secte, le chef d'une dénomination, le chef d'une assemblée des Nazaréens. Les chrétiens sont appelés Nazaréens. Le troisième point, c'est les Nazaréens. Alors, les chrétiens dans le Nouveau Testament sont appelés Nazaréens. Les chrétiens qui se sont consacrés à Christ, qui mènent leur vie exclusivement pour la gloire de Dieu, soient appelés Nazaréens. Ceux qui sont le modèle de Jésus soient appelés Nazaréens. C'est différent de Nazaréens de l'Ancien Testament. Alors les Nazaréens maintenant vont au-delà. Les Nazaréens vont au-delà des Naziréens de l'Ancien Testament. Nous allons voir le titre qui est les Nazaréens passionnés servent vend Dieu au-delà de cette fin. Première partie, le service rejeté des indigènes pécheurs. Les gens qui sont indigènes, les gens de cette tribu, tout ce qu'ils font, c'est de projeter des principes et des pratiques de leur tribu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne mènent pas la vie de la nouvelle naissance. Ils mènent la vie traditionnelle de cette tribu. Deux, nous avons le service rédempteur avec la nature sanctifiée. La nature sanctifiée. La nature qui a amené au Seigneur, cette nature est sanctifiée au Seigneur. Troisième partie, le service récompensé des Nazaréens qui gagnent les âmes. Première partie, le service rejeté des indigènes pécheurs. Psaume 50, verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Verset 17. Toi qui hais les avis. Y a-t-il des gens comme ça, nés de nouveau? Haïssent les instructions. Sanctifier, c'est ce qu'ils disent. Mais ils haïssent les avis. Et la Bible, les Écritures sont profitables, sont utiles pour enseigner, pour instruire. Ils haïssent les instructions. Toi qui haïs les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Verset 19. Tu livres ta bouche au mal et ta langue
est un tissu de tromperie. Verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Verset 21. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Voyez, lorsque vous utilisez votre bouche de façon non scripturaire, tu injuries les gens, tu mens sur le compte des gens, tu dénigres les gens, tu es dans le service de Dieu, tu perds ton temps, tu perds tes talents, parce que tous ces talents ne sont pas agréables devant Dieu. Si tu vas servir le Seigneur, ta vie doit montrer que tu respectes assez Dieu pour lui amener ton cœur, tes dons, à la sanctification. Et Matthieu, chapitre 7, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardez ici. Pour que quelqu'un prophétise, la personne-là, évidemment, doit jeûner, espérer en Dieu. Et donne-moi le don de prophétie. La personne-là devait se séparer, mis à part pour Dieu, pour que quelqu'un chasse les démons. Ce n'est pas un ministère à vil prix. Cette personne-là doit passer un temps qualitatif devant Dieu pour avoir le pouvoir de chasser les démons et pour faire beaucoup de miracles. Ceux qui font cela, ils passent beaucoup de temps, plus que les gens, permettez-moi, plus que ceux qui sont surveillants. Les gens qui chassent les démons, alors ce sont des gens qui doivent passer plus de temps que les instrumentistes, que les choristes. Il faut le temps, la consécration pour consacrer, pour arriver à ce niveau de prophétie, pour arriver à ce niveau de chasser les démons, pour arriver à ce niveau de faire des miracles. Oui, mais voilà le verset 23. 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez avoir le don de prophétie tout en jeûnant, tout en priant, tout en vous consacrant. Vous voulez à tout prix avoir ce don spirituel, mais je ne vous ai jamais connu. Tu peux jeûner, prier, espérer, jeûner pour un long moment. Tu chasses les démons, tu fais beaucoup de miracles. Mais ce que je dis, c'est que si Jésus dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, que dira-t-il aux choristes qui sont ouvriers d'iniquité, qui commettent l'iniquité, qui ne mènent pas une vie sainte? Que dira-t-il aux surveillants qui ne
qui ne mènent pas une bonne vie, qui sont cruels à la maison, qui sont cruels aux enfants, à la famille, que dira-t-il aux ouvriers, à tout ouvrier? Parce que voici un grand niveau d'œuvre dans le royaume. Ils se sacrifient beaucoup. S'il dit à ces gens, à tous ces gens, je ne vous ai jamais connu, que dira-t-il à une personne qui dit que je fais ceci, je fais cela, et ce que tu fais n'a pas besoin de jeûner, ce que tu fais n'a pas besoin d'espérer en Dieu, ce que tu fais là n'a pas une profondeur spirituelle. Cependant, il a dit à ces gens, je ne vous ai jamais connu, que dira-t-il aux gens qui utilisent leur cerveau et non leur cœur? Ils utilisent leur formation et non la docilité. Ils ne sont pas dociles, ils refusent les instructions. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyons, deuxième partie ici, c'est le service rédempteur avec la nature sanctifiée. L'œuvre que nous faisons, il veut que cela soit, une œuvre rédemptrice. Ce qu'on fait dans l'église, l'œuvre que nous faisons pour apporter la rédemption aux gens. Mais nous faisons cela avec la nature sanctifiée. Deuxième Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Voyons le verset 4 qui dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, et nous donne sa nature, la nature divine. Et c'est par cette nature divine, alors nous servons le Seigneur, nous travaillons pour le Seigneur, et notre service est rédempteur. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La question pour vous est que je sais le Seigneur, mais combien est rédempteur mon service? Est-ce que cela détruit les gens du péché? Pour les tourner vers le Seigneur? Est-ce que cela les détourne de l'injustice pour les tourner vers la justice du Seigneur? Est-ce que cela les détourne de l'amour du monde pour les tourner vers l'amour de Dieu? Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Troisième partie ici. Le service récompensé des Nazaréens qui gagnent les âmes. Le service récompensé des Nazaréens qui gagnent les âmes. Jean 17, verset 14. Jean chapitre 17, 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai pour racheter le monde, pour sauver le monde, pour sauver les pécheurs, pour détourner les gens de l'injustice, pour les tourner vers la justice.
et tu m'as comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je prie que le ministère rédempteur auquel le Seigneur a appelé tout croyant, que nous l'exécutions de façon efficace au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, selon ce qu'est l'effet de l'œuvre qu'il a faite dans le royaume. Il y a des gens qui font l'œuvre du royaume n'importe comment. Il le faisait 13 ans passés, de la même manière, pas de prière, pas de consécration, les mêmes erreurs qu'il faisait, il continue de faire les mêmes erreurs et le même endurcissement de cœur, ils le faisaient, ils l'ont fait depuis des années et habituellement, ils font l'œuvre de Dieu sans la grâce de Dieu qui provient de l'œuvre qu'ils font. Selon ce qu'est son œuvre, verset 13 dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes. » Vous travaillez pour Dieu, il faut obéir à ses commandements. Quels sont ses commandements? Aime ton frère, aime ta soeur comme je t'ai aimé. C'est le commandement qu'il nous a donné. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, au siège et dans toutes les églises partout. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Quel est le dernier mot là-bas? Quel est le dernier mot là-bas? Et l'église, quel est le dernier mot là-bas? Gratuitement. Que la paix de Dieu, la joie du salut, la nouvelle vie dans le croyant, le véritable salut avec la victoire et la sanctification et toutes les choses pour lesquelles Christ est mort au calvaire est disponible, tout est disponible pour vous ce matin. Et être un Nazaréen spirituel est disponible pour vous ce matin. Et être profond, être le plus profond membre du corps de Christ, cela est disponible pour vous ce matin. Toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour la vie, pour la piété, toutes les bénédictions dont on a besoin pour l'esprit, pour l'âme, toutes les bénédictions dont on a besoin pour nous purifier, pour nous ôter, pour nous enlever de l'année qui s'écoule, pour nous plonger dans la nouvelle année. Tout est gratuit pour nous ce matin. Et dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Pour moi, j'ai quelque chose à demander de Dieu ce matin. Et toi, et vous. Je dis et vous. À partir de ce matin, votre vie sera différente. Votre attitude sera différente. Votre habileté sera différente. Le temps de prière sera différent. Êtes-vous prêts? Tenons-nous debout maintenant et demandons au Seigneur.
On ne demande pas au Seigneur pour des choses viles, des choses simples. Mais ce qui nous distingue, les Nazaréens mis à part pour Dieu, séparés pour Dieu, l'annulation de l'ancienne habitude de péché, que le Seigneur efface cela de nous pour nous donner une nouvelle vie, une vie plus blanche, plus éclatante que la neige, que le Seigneur nous transforme, nous sommes plus blancs, plus éclatants, nous sommes plus forts, nous sommes plus brillants. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur qu'il le fasse. Priez. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Priez. Reprenez, ramenez le premier amour. Récupérer ce que vous avez reçu au Seigneur, ce que vous avez reçu du Seigneur au départ, l'obéissance au Seigneur, le cœur. Le cœur soumis au Seigneur. Le cœur consacré au Seigneur, que donc le cœur consacré au Seigneur dont tu es conscient, toute ton âme, tout ton esprit, toute ta force, tu te consacres totalement, profondément au Seigneur. Et en véritablement, tu es un Nazaréen. Véritablement, tu es un Nazaréen pour le Seigneur. Tu es mis à part. Tu es consacré. Tu es totalement donné. Tu t'es vendu au Seigneur. Tu t'es vendu au Seigneur sans regarder en arrière. Il n'y a pas de sensualité. Il n'y a pas de mondanité. La mondanité dans l'habillement. La mondanité en pratique. Tu ressembles au monde. Tu parles comme le monde. Tu planifies comme le monde. Dépose cela sur l'autel ce matin, disant, Seigneur, comme cette année s'écoule, toute cette imprudence, cette sensualité, et ce laisser aller, cette vie de laisser aller, Seigneur, j'ensevelis cela ce matin. Un nouveau caractère, une nouvelle conduite, qui est digne du nom qu'on nous appelle. Non seulement l'aspect extérieur du chrétien, mais un cœur changé, un cœur transformé, une nouvelle nature, une nature purifiée. Parler au Seigneur, ce n'est pas la sanctification par des paroles de la bouche. Ce n'est pas seulement la circoncision extérieure, mais la circoncision du cœur. Par une personne nonchalante, imprudente, par une personne qui vit comme Samson, Delila était plus importante que son appel. Les femmes à l'autre côté du mur le sont plus importantes que tout, que son appel.
Où êtes-vous, les femmes, à part votre femme? Les femmes sont importantes pour toi. Tu es plus libre. Tu parles bien, librement, avec ces femmes-là. Plus que ta femme. Et je n'ai rien fait avec elle. Hein? Si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, Jésus a dit que tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Remets-toi de nouveau entre les mains du Seigneur et mène la vie d'un véritable Nazaréen, d'un vrai croyant, d'un vrai enfant de Dieu qui croit à la Bible. Il faut abandonner tout cette attitude de laisser aller, une attitude de nonchalance, que tout cela soit purifié de votre cœur, de votre vie ce matin. Dieu merci, et des Naziréens comme Samuel les gens qui ont pris leur position de Naziréa au sérieux. Est-ce que toi, en tant que Nazaréen de ce jour, est-ce que tu prends ta position ferme de Nazaréen au sérieux? Est-ce que tu en es conscient à tout moment où que tu te trouves? Le rapprochement entre les hommes et les femmes qui pollue le cœur. Est-ce que tu t'en es repenti de permanence? Ou bien tu es un Nazaréen à temps partiel? Un Nazaréen à temps partiel. Si tu vas à Rome, tu fais comme les Romains. Mais combien consacré es-tu? Et quand tu es seul, quand tu es avec ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu, mais est-ce que tu te rappelles ton vœu, ta consécration? Est-ce que tu te rappelles ta consécration quand tu es dehors là-bas? Est-ce que tu te rappelles les paroles du Seigneur Jésus-Christ lorsque tu apportes ton offrande à l'autel, ton talent à l'autel, ton service à l'autel, et tu te rappelles, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi? Tu ne dis pas que ça c'est leur affaire, ils ont quelque chose contre moi, moi je n'ai rien contre eux. S'ils sont blessés, c'est leur problème. Je ne vais permettre à personne de me faire perdre mon don. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Puis je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Notre caractère
Notre caractère est plus nécessaire, plus important que notre charisme, que notre don, que notre service. Si ceux qui chassent les démons en son nom, s'ils seront perdus, où serez-vous? Parlez au Seigneur, réaffirmez votre consécration et que le Seigneur fasse, qu'il apporte un changement défini, qu'il apporte une transformation à votre cœur. Le service des gens charnels sera rejeté par le Seigneur. Le don, le charisme, les gens pécheurs, mondains, seront rejetés par le Seigneur. Revenez au Seigneur. Revenez à votre premier amour. Sans chercher de position, sans chercher la réputation, offrez, rendez un service rédempteur. Rendez un service digne d'être récompensé. Ayez un cœur, ayez le cœur changé, la vie transformée. Dieu regarde au cœur, non seulement à ce que le Naziréen porte sur sa tête. Parlez au Seigneur de venir à nouveau dans votre vie. Amenez. Parle au Seigneur de vous donner une vie transformée. De vous donner la grâce à mener une vie qui soit digne d'un chrétien qui croit réellement à la Bible. Détournez-vous de toutes les séductions et les mauvais détours, les magouilles de cette année qui s'écoule en vous consacrant entièrement au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un amen merveilleux. Un bel amen. Ce jour, 31 décembre 2023, s'écoule. Et cela ne reviendra plus jamais. Un amen que vous ne dites pas maintenant est parti pour toujours. Que le Seigneur bénisse votre vie. Amen. Que toute ancienne vie, l'ancienne tristesse, l'ancienne souffrance, l'ancienne pression de cette année s'écoule avec l'année. Ainsi, vous marchez comme une personne, un membre de la vie profonde qui flotte, qui est superficiel, qui n'est pas ce qui n'est pas là. Aujourd'hui,
toute chose changera dans votre vie. Et lorsque ce soir, cette nuit, est-ce que vous savez que nous avons le culte de réveillon ce jour? Je vous dis ce jour. Si vous ne prenez pas au réveillon, au culte de réveillon, je parle à toute la vie profonde partout. Ce soir, aidez-moi à crier ce soir ou cette nuit. Toutes les faiblesses, je suis malade aujourd'hui, demain je vais bien, aujourd'hui je souris, je ne sais pas ce qui va arriver encore. Tout va passer, s'écouler au nom de Jésus-Christ. Même votre visage va changer. Mais votre sang va bien couler, va bien circuler. Votre vie va changer. Si vous n'avez pas de force, parfois, vous n'êtes pas la seule personne, parfois ça m'arrive, parfois, après avoir prêché 3 fois à la retraite, et puis je marche comme si on a ôté quelque chose de moi. Tout ce qui est ôté, je récupère ça. Et tout ce qui a été ôté, vous allez récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Où êtes-vous? Moi, je lève ma main. Je dis, où êtes-vous? Ma main est en haut. Une nouvelle onction. Une nouvelle puissance. Une nouvelle santé. Une nouvelle vitalité. Une nouvelle prospérité. Et une nouvelle onction sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous êtes loin, vous et moi, cette année, je ne vous ai pas vu. L'année prochaine, nous serons très proches. L'onction ici, l'onction là-bas va se rejoindre. La puissance ici, la puissance là-bas va se rapprocher. Les larmes sont essuyées. Les problèmes seront totalement ôtés. Les mains levées. Père, au nom de Jésus-Christ. Dieu aimable, Dieu miséricordieux, qu'il y ait l'amour sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Toute faiblesse de cette année qui s'écoule, une rétrogradation de cette année qui s'écoule, tout ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'as pas apprécié dans cette année qui s'écoule, je prie que, Seigneur, tu pardonnes au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu miséricordieux, tu pardonnes instantanément. Je prie que ton pardon, que ta grâce, que le nouvel amour que tu as pour ton peuple instantanément, que cela se présente au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une vie chrétienne vibrante. Qu'il y ait une vie vibrante qui croit la Bible. Une expérience vibrante du salut au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apporte la joie à toute vie. Apporte la gaieté à toute vie. La pauvreté n'est plus permise dans la maison cette année. La faim, la souffrance ne sont pas permises dans ta maison l'année prochaine. Seigneur, comment tu vas le faire? Comment tu vas le rendre possible? Je demande que tu apportes des provisions abondantes dans chaque maison, dans chaque famille au nom de Jésus-Christ. La santé pour ceux qui sont malades. Les maladies ne vont pas, la maladie ne va pas vous accompagner à la nouvelle année. Vous n'irez pas à l'hôpital dans la nouvelle année.
La santé venant du calvaire. La force venant du calvaire. La guérison venant du calvaire. La délivrance venant du calvaire. À votre vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Les bénédictions vont vous accompagner à la maison. L'abondance va vous accompagner à la maison. Les provisions vous accompagneront à la maison. Même si Dieu doit envoyer un ange, même si Dieu doit envoyer un étranger de quelque part pour apporter cette prospérité et cette provision à vous, Seigneur, fais-le dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Les pleurs, les cris, les larmes de cette année qui s'écoule ne vont pas vous accompagner à la nouvelle année. La guérison, je reçois. La guérison, la santé, la délivrance, la rédemption, la domination, la puissance. Tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie réussie, tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre famille, tout ce dont vous avez besoin pour être un homme, une femme heureux, heureuse, pour être un homme heureux. Seigneur du ciel, pouvoir à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Ce 31 décembre sera un 31 décembre exceptionnel. Seigneur, confirme la parole de ton serviteur. La bonté et la grâce vous accompagneront. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. À la nouvelle année, moi, cela vous accompagnera au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui doit être ôté de votre vie, tout ce qui doit être éliminé de votre vie, puisse le Seigneur le faire pour vous au nom de Jésus. Et vous, vous habiterez dans la maison de l'Éternel où est ce vous-là? Où est ce vous-là? Et toi, si tu sais que c'est toi, sans une ombre de doute, vous allez à la nouvelle année comme un homme différent, comme une femme différente. La joie chaque jour, le bonheur chaque jour, la force chaque jour, les provisions chaque jour. Que le Seigneur vous rende invincible dans la vie. Certainement. Oui. Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Jusqu'à la fin de vos jours. Vous allez habiter éternellement, éternellement, éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes béni. Je dis, vous êtes béni. Personne n'ôtera votre bénédiction de vous. Allez maintenant vous réjouir dans le Seigneur. Il n'y a rien à manger. Arrivez à la maison. Vous allez découvrir que quelque chose a été déjà pourvu pour vous. Au fait. Le pasteur de district, les pasteurs de groupe, les pasteurs régionaux, les pasteurs d'État, les pasteurs nationaux. Je veux donner
Je veux donner aux pauvres. Je veux faire des dons, des cadeaux aux pauvres, aux orphelins. Je veux faire cela. Donc, dans chaque région, dans chaque état, dans chaque pays, alors, et faites ici à Lagos, crie à Lagos que notre modérateur, où est le modérateur de Lagos? Lève la main, je vais te voir. Où es-tu? Gloire à Dieu. Il faut rencontrer le comité de gestion. C'est moi qui te dis ça. Je veux réellement. Je veux pouvoir aux pauvres. Je veux pouvoir aux nécessiteux. Aux orphelins. Pasteur de district, les pasteurs de groupe. Allez voir les gens dans votre groupe qui sont réellement dans le besoin. Et soumettez leur nom au modérateur. Et le modérateur va soumettre leur nom au siège. Dieu va pouvoir. Dieu va pouvoir au travers de nous. Que le Seigneur bénisse chacun de vous.